moyenne, 279 personnes par jour ont été contaminées au Covid-19 en Belgique au cours de la dernière semaine, contre 163 la semaine précédente. Situation préoccupante à Anvers, notamment au nord du pays. Les mesures sanitaires y sont durcies, couvre-feu entre 23h30 et 6h du matin, fermeture des cafés et restaurants à 23h, pas plus de 30 minutes sur les marchés ou dans les magasins, télétravail obligatoire si possible. Bref, les autorités veulent à tout prix éviter un reconfinement généralisé. Garance Munoz. À partir de demain, les Belges n'ont plus le droit de voir que 5 personnes de façon régulière contre 15 auparavant à Anvers, qui concentre 47% des nouvelles infections. Le masque devient même obligatoire pour les plus de 12 ans dans l'espace public et lorsque la distance physique de 1,5 mètre est impossible. Un retour en arrière dont s'accommode Christine. Je suis d'accord, la limite pourrait même être de 4 personnes. Je comprends que ce soit plus difficile quand on a des enfants, mais... Et puis porter un masque, ça ne me dérange pas. D'autres, comme Lotte, acceptent ces mesures sans trop y croire. Je pense que c'est normal vu la hausse des cas, mais quelque part, je me dis que ça ne va servir à rien. Les gens en ont juste marre de toutes ces mesures. La première ministre Sophie Wilmès a exhorté ses compatriotes à respecter ces nouvelles règles avec un objectif en tête. Gardons à l'esprit que toutes ces mesures sont faites pour éviter un reconfinement généralisé. Il faut donc les respecter à tout âge, dans toutes les situations. Quand on limite nos contacts, on limite les risques. Autre mesure qui prendra effet dans 24 heures dans tout le pays, pas plus de 10 personnes pour des rassemblements privés et sans lors d'événements publics.